Action. Salut les vrais, c'est Roman de la team Jambourg. Aujourd'hui, comme prévu, je suis là pour vous présenter le premier épisode de Jambourg en Bresse à tester pour vous. Générique. Et comme prévu, le premier épisode sera consacré au Krav Maga. Le Krav Maga? Le Krav Maga. À qui demander qu'est-ce que le Krav Maga, sinon notre meilleur ami? À Google. Le Krav Maga, littéralement combat rapproché, est une méthode d'autodéfense d'origine juive tchécoslovaque combinant des techniques provenant de la boxe, du Muay Thai, du... En fait, le Krav Maga, c'est un sport de combat. Christophe pratique le Krav Maga depuis maintenant 7 ans et nous avons fait découvrir cette activité. C'est parti. Ce qui a été très sympa avec Christophe, c'est qu'il a réussi à nous faire comprendre que le Krav Maga, qu'on pensait être un sport de combat très violent, ne l'était en fait absolument pas. C'était avant tout des techniques qui nous permettent de nous défendre ou de réagir en fonction de diverses situations qu'on peut rencontrer au quotidien. Voilà, mine de rien, j'y suis allé avec Maxime, on a beau être deux sportifs de très haut niveau. Très haut niveau. Ça ne nous a pas empêché malgré tout d'avoir quand même un peu de mal. Donc comme on vous le disait au début de cette vidéo, le Krav Maga n'est pas un sport de combat violent. Du moins s'il est pratiqué avec parcimonie et surtout avec beaucoup de pédagogie. Ce qui est le cas de Christophe qui a vraiment su nous apprendre et nous montrer que le Krav Maga, c'était surtout de la technique et de la maîtrise de soi. Donc si vous avez envie de vous défouler tout en gardant le contrôle, sachez que Christophe sera ravi de vous accueillir pour un premier entraînement et ça afin de vous faire découvrir ce sport de combat propre à lui-même. On a donc fini l'entraînement par une petite séance d'étirement mais je vous laisse admirer notre souplesse légendaire. C'est la fin de cette première vidéo, j'espère que cela vous a plu. Vous nous retrouverez bientôt, on a encore plein d'idées, plein de choses à vous faire tester. On se retrouve très vite sur Jambourg en Bresse.